Bonjour à tous, c'est Quentin d'Objectif Grand Angle. Et aujourd'hui, nous sommes à Paris pour les rencontres internationales Paris-Berlin. Rendez-vous dédié aux pratiques contemporaines de l'image en mouvement, les rencontres internationales offrent un espace de découverte et de réflexion entre l'art contemporain et le nouveau cinéma. En présence de plus de 100 artistes et réalisateurs du monde entier, cette édition nous offre une programmation internationale inédite avec plus de 120 œuvres provenant de 40 pays. Approche documentaire, forme hybride, vidéo, fiction expérimentale, ces œuvres contemporaines dessinent un peu la transgression avec une époque antérieure. Car contrairement aux œuvres classiques, ici on se concentre exclusivement sur la forme. C'est d'ailleurs pour ça que la majorité de ces œuvres ne finissent pas dans l'industrie du cinéma à proprement parler, car on ne cherche pas à plaire à un public à tout prix. En fait, ce qu'on cherche, c'est vraiment à casser les codes, à défier les normes, à apporter un changement. Et donc le cinéma expérimental, il va souvent à contre-courant des normes habituelles cinématographiques. On peut prendre par exemple le film d'Andy Warhol, Four Stars, où le film a une durée de 25 heures. Au travers de séances de projection, d'exposition, de performances, de tables rondes, que les rencontres internationales Paris-Berlin font découvrir à un plus large public ses œuvres contemporaines et essayent de créer une circulation entre les différentes pratiques artistiques et culturelles et les différents publics aussi. Et ça suscite un échange entre les artistes, les réalisateurs et les acteurs du monde artistique et culturel.